Monsieur est un inventeur. Un inventeur de petites histoires et de poèmes. Un écrivain à la recherche de sa muse. Au gré du déplacement des trois comédiens, le spectacle virevolte d'une salle à l'autre. Il donne vie aux toiles des peintres ou s'en sert de décor. Le public est embarqué dans un conte empli de féerie et de surprises. J'ai bien aimé. Ça m'a fait un peu penser à l'amour et à la guerre. En fait, quand des fois, j'écoutais pas trop et je regardais les tableaux. Elle s'amuse propose une visite théâtralisée à travers les extraits de grands auteurs classiques et les tableaux de grands maîtres de la peinture du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Un lieu insolite pour une performance artistique. À cet autre homme. C'est des nouveaux publics, c'est les parents qui accompagnent les enfants, ils découvrent le musée, c'est les Ajacciens qui viennent au musée. J'ai l'impression que c'est des Ajacciens qui viennent au musée, enfin. Ce spectacle interactif est le deuxième volet de la déambulation théâtrale créée par la compagnie Théâtrois. Il y a tous ces grands arts, ces grandes salles, ce verbe, cette action qui nous tire vers le haut. Et petits comme grands, je crois, ils trouvent leur compte. Ce voyage qui mêle jeu d'acteurs et art pictural continue au Musée Fesch jusqu'à demain.